Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1642 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 16 novembre comme d'habitude avec pas mal d'anniversaires. Tout d'abord, la légende Paul Scholes, il fête aujourd'hui ses 47 ans et regardez quand même son palmarès impressionnant. Il a remporté deux fois la Ligue des Champions, une coupe intercontinentale, 11 fois la Première Ligue remportée avec l'équipe de Manchester United, 3 FA Cup, 2 League Cup et 5 Community Shield. Donc il a aussi marqué 14 buts en 66 sélections avec l'équipe anglaise. Une légende bien sûr, Paul Scholes, bon anniversaire à lui. Il y a aussi le Croate Brozovic, il fête aujourd'hui ses 29 ans. L'ancien Marseillais Anguissa, il fête lui aujourd'hui ses 26 ans. Le Lyonnais Bruno Guimarães, il fête lui aujourd'hui ses 24 ans. Boulaï Dia, l'ancien joueur de Reims, maintenant joueur de Villarreal, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Et pour finir, le défenseur droit de Wolverhampton, le défenseur portugais Semedo, il fête lui aujourd'hui ses 28 ans. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec le dernier champion d'Europe, donc l'Italie, qui se déplaçait du côté de l'Irlande du Nord. Donc c'était victoire obligatoire des Italiens si vous voulez se qualifier directement pour la future Coupe du Monde. Donc du coup, score final 0-0. L'Italie devra passer par les barrages pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Donc la squadra Azzurra ne rayonne plus. Donc entre le 11 novembre 2020 et le 20 juin 2021, 11 victoires, 0 match nul, une défaite. Donc c'est impressionnant. Il n'y avait que des victoires, aucun match nul. Et là, depuis le 26 juin, donc depuis le 8e de finale de l'Euro, c'est 4 victoires, 6 matchs nuls. Quand tu fais des matchs nuls, bah, t'avances pas trop. Et une défaite. Donc c'est vrai que l'Italie, un peu moins bonne qu'il y a quelques mois. Et Roberto Mancini l'a dit, on disputera les barrages. Nous serons prêts. En ce moment, on a beaucoup de difficultés à marquer des buts. C'est dommage, on aurait dû boucler la qualification plus tôt. On a raté 2 pénaltys face à l'équipe suisse. Elle qui se qualifie directement, les gars, pour cette future Coupe du Monde. Et pour revenir sur l'Italie, championne d'Europe en titre, l'Italie devra passer par les barrages pour disputer la Coupe du Monde 2022. Et c'est la même chose pour l'ancien champion d'Europe, donc le Portugal. Donc ces deux nations, le Portugal et l'Italie, devront passer par les barrages pour jouer cette future Coupe du Monde. Et l'autre match dans le même groupe, je l'ai dit, c'est la Suisse qui recevait la Bulgarie. Donc la Suisse devait s'imposer. Et la Suisse s'est imposée, les gars, 4-0. Regardez tous les buteurs. La Suisse se qualifie directement pour cette future Coupe du Monde en terminant à la première position. On peut voir que les Suisses terminent avec 18 points, l'Italie 16 points. Donc trop de matchs nuls côté italien. C'est pour ça qu'ils ont perdu pas mal de points. C'est pour ça, bien sûr, qu'ils devront passer les barrages. Et pour revenir sur cette fabuleuse équipe suisse, donc la Suisse réalise 2 sensations en moins de 5 mois. En juin dernier, elle élimine le champion du monde en titre, l'équipe de France de l'Euro 2020, dès le 8e de finale. Et novembre envoie le champion d'Europe en titre disputer les barrages du mondial 2022, cette équipe italienne. Et on va parler, les gars, de Shaqiri avec la Suisse en 2021. 4 buts et 6 passes décisives, des sacrés stats pour le joueur de l'Olympique lyonnais. Et toujours avec Shaqiri, il est devenu hier le 5e joueur à atteindre la barre des 100 sélections avec l'équipe suisse. Après, ces 4 autres joueurs suisses qui ont dépassé, eux, la barre des 100 caps du côté de la Suisse. Ensuite, on va parler du carton de la soirée hier. C'est l'équipe de Saint-Marin qui recevait l'équipe de l'Angleterre, dernier finaliste de l'Euro. Et l'Angleterre, les gars, sans pitié, 10-0 se sont imposés du côté de Saint-Marin. Regardez tous les buteurs, Harry Maguire, buteur, Mings, Abraham, Saka et Harry Kane, les gars, il a rayonné dans ce match, il a inscrit un quadruplé. Mais le plus important, bien sûr, avec cette victoire, c'est que l'Angleterre termine en tête. Et du coup, l'Angleterre est officiellement qualifiée pour cette future Coupe du Monde. Et pour revenir sur ce match à sens unique, bien sûr, ce 10-0, c'est la première fois que l'Angleterre inscrit 10 buts dans un match depuis 1964. Donc bien sûr, ça date. Pour parler de l'homme du match, bien sûr, c'est Harry Kane. Donc vendredi dernier, un triplé. Et hier, un quadruplé, 7 buts en seulement 2 matchs pour Harry Kane. Et Harry Kane a désormais inscrit 13 buts avec l'Angleterre en 2021, un record sur une année civile en sélection anglaise. Donc félicitations à lui, qu'en grande difficulté du côté de Tottenham. On peut voir qu'en sélection, ça va bien mieux, bien sûr, pour Harry Kane. Et hier soir, face à Saint-Marin, Harry Kane est devenu le premier joueur à inscrire un quadruplé avec l'Angleterre depuis Ian White le 17 novembre 1993. C'était face à Saint-Marin, une nouvelle fois à l'époque. Et toujours avec Harry Kane, donc avec son quadruplé hier, donc il est désormais à 46 buts en sélection anglaise. On peut voir les meilleurs buteurs de l'histoire de l'Angleterre. Donc le record, c'est toujours Wayne Rooney, 53 buts. Donc Harry Kane revient très fort, bien sûr, sur l'ancien attaquant de Manchester United. Et pour parler, les gars, de Wayne Rooney, donc en ce jour, en 2018, donc il y a 3 ans, jour pour jour, Wayne Rooney disputait son dernier match avec la sélection anglaise.
Allez, prenez sa retraite. Joueur de champ le plus capé de l'histoire du pays, hein, 120 matchs, hein, c'est lui qui a le record. Meilleur buteur du pays, 53 buts, hein, c'est lui qui a le record. Et plus jeune buteur de l'histoire du pays, à 17 ans et 317 jours, il avait déjà été buteur avec la sélection anglaise. Et on va parler du jeune Emile Smith-Rowe, marque son premier but en Angleterre lors de son premier match en tant que titulaire, hein, avec la sélection anglaise, hein, hier contre l'équipe de Saint-Marin. Dans l'autre match, dans le même groupe, hein, que l'Angleterre, c'était la Pologne contre la Hongrie, et la Pologne, hein, s'est inclinée 2-1 à domicile. Donc la Pologne devra passer par les barrages, hein, pour se qualifier pour cette future Coupe du Monde, parce que l'Angleterre, hein, termine en tête. La Pologne termine deuxième de ce groupe. Il y avait aussi l'Écosse contre le Danemark, et première défaite du Danemark, hein, lors de ces matchs de qualification, qui avait tout gagné, hein, 9 matchs, 9 victoires. Donc pour ce dernier match, hein, défaite du côté de l'Écosse. Donc l'Écosse, du coup, jouera les barrages, parce qu'on peut voir que le Danemark, bien sûr, était déjà qualifié avant le match d'hier. Donc l'Écosse, deuxième, elle jouera les barrages. Et on peut voir sinon tous les autres résultats, voilà, de cette soirée dans la zone Europe. Donc pour l'instant, regardez les qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc 11 nations qualifiées pour l'instant, hein, sur 32. Donc le Qatar, l'Allemagne, l'Angleterre, Belgique, Brésil, Croatie, Danemark, Espagne, France, Serbie et l'équipe suisse, hein, qu'on peut rajouter, bien sûr. Cette fois-ci, la liste des barragistes. Il y a des sacrées nations, hein. Il n'y aura que 3 places pour la Coupe du Monde 2022, hein, sur les 12 barragistes. Donc il y a quand même l'Italie, le Portugal, la Pologne, Suède, Russie, Écosse, Pays de Galles, Macédoine du Nord, Autriche, République Tchèque et encore 2 autres barragistes, hein, qui devraient être connus bien sûr ce soir pour les derniers matchs. Donc sur tous ces, sur toutes ces équipes-là, il y aura seulement 3 places, les gars, pour se qualifier, hein, pour la future Coupe du Monde. Donc je vais vous présenter, les gars, comment vont se dérouler, hein, ces barrages. Donc les barrages du Mondial, mode d'emploi. Donc 10 équipes qui ont terminé deuxième de groupe, hein, il y avait 10 poules. Voilà, en zone Europe, donc les 10 deuxièmes sont tous qualifiés. Et les deux autres, c'est les meilleurs premiers de la Ligue des Nations. Donc en tout, ça fait 12 nations. Donc début des barrages en mars, hein, 3 groupes de 4, 2 demi-finales et une finale. 3 équipes qualifiées, hein, sur ces 12 nations. Donc voilà le tableau des barrages en gros. Donc il y a la voie A, voie B, voie C. Donc ce qu'il faut retenir, hein, donc les barragistes sont répartis en 3 mini-tournois de 4 pour se qualifier. Un barragiste doit donc remporter 2 matchs secs, les gars. Donc il n'y a pas de match aller-retour, hein, c'est juste un match sec. Donc ce qui fait 2 matchs, une demi-finale et une finale. Donc il y a 6 têtes de série, les 6 équipes avec le plus grand nombre de points d'éliminatoire ne peuvent pas s'affronter en demi-finale. Les têtes de série recevront toutes en demi-finale. Donc par exemple, le Portugal, hein, jouera sa demi-finale certainement à domicile, les gars, vu que c'est une tête de série. Et en finale, hein, il y aura un tirage au sort pour savoir qui reçoit. Entre bien sûr, hein, les deux finalistes, les barragistes sont les 10 deuxièmes de groupe, plus les deux qualifiés via la Ligue des Nations. Le tirage au sort des barrages aura lieu le 26 novembre prochain à Zurich. Et il y a pour le moment 8 barragistes connus, donc je l'ai dit juste avant. Donc on pourrait voir d'énormes chocs quand même lors de ces finales de barrages. Donc par exemple, le Portugal et l'Italie, on va dire les deux grosses nations, ces équipes barragistes, donc elles pourraient se rencontrer en finale, hein, bien sûr. Donc on a hâte de voir. Voilà les affiches, hein, donc ça sera dévoilé le 26 novembre prochain. Et pour revenir, les gars, sur le Portugal, donc Renato Sanchez et Cancelo seront suspendus pour la demi-finale des barrages à la Coupe du Monde 2022 pour cause d'accumulation d'avertissements. Et la même chose, hein, côté Suède, pour Zlatan Ibrahimovic sera suspendu, hein, pour la demi-finale des barrages après avoir reçu un avertissement face à l'Espagne durant le temps additionnel. Accumulation de cartons jaunes pour lui aussi. Ensuite, on prend la direction du continent africain. Regardez les matchs de la journée d'hier. Donc par exemple, le Togo est parti s'imposer 1-0 du côté de la Namibie. Niger s'est imposé 7-2 contre l'équipe de Djibouti. On peut voir le programme de la journée. Donc c'est les derniers matchs en Afrique, hein, pour cette année 2021. Donc par exemple, je sais pas, le Maroc reçoit l'équipe de la Guinée. Le Cameroun reçoit la Côte d'Ivoire. L'Algérie reçoit le Burkina Faso, un match très important à 16h, hein, pour les Algériens. Et concernant la République démocratique du Congo, qui s'était qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde 2022 pour être disqualifiée pour une simple erreur, hein, en effet, lors du match face au Bénin, donc c'est avant-hier, le sélectionneur du Congo a effectué ses 4 changements lors de 4 sessions différentes au lieu de 3 maximum. Donc affaire à suivre, hein, voilà, l'équipe du Congo pourrait être disqualifiée, et bien sûr, ce serait une catastrophe. On peut voir le programme aussi sur le continent nord-américain. Par exemple, le Canada reçoit le Mexique, hein, les États-Unis iront défier l'équipe de la Jamaïque. Le programme du jour, cette fois-ci, sur le continent asiatique, donc Chine, Australie, je sais pas, la Syrie contre l'Iran. On en reparlera bien sûr de tous ces résultats demain. Et on va terminer avec le continent sud-américain. Regardez le programme de la journée: Bolivie, Uruguay, Venezuela, Pérou, et bien sûr, il y a un énorme match, hein, l'Argentine contre le Brésil, les gars, heure française. Le match commence à minuit 30,
ce soir. Donc regardez le classement. Donc le Brésil déjà qualifié en première position, l'Argentine deuxième, donc énorme choc. Hein. Et on peut voir que ces deux nations sont actuellement à 12 matchs joués, toutes les autres 13. Parce que vous vous souvenez, lors du match aller, hein, le match n'avait pas eu lieu. Il avait été interrompu au bout de 5 minutes de jeu. Et le Brésil-Argentine pourrait ne jamais être rejoué. Donc si les deux équipes hein, venaient être qualifiées, donc le Brésil déjà qualifié, l'Argentine très bien partie aussi pour se qualifier. Donc si les deux équipes aussi ne peuvent pas se faire rattraper ou ne veulent pas rattraper la nation devant, donc ce Brésil-Argentine du match aller pourrait ne jamais être rejoué. Côté brésilien, les gars, une très mauvaise nouvelle hein, pour le Brésil et surtout une très mauvaise nouvelle hein, pour le club de ce joueur, hein, c'est Neymar. Et Neymar blessé à la cuisse et forfait contre l'Argentine, hein, c'est officiel. Donc Neymar ne voyagera pas en Argentine pour une gêne musculaire. Donc il est forfait hein, pour le match cette nuit. Le Brésilien va s'envoler dans les prochaines heures pour Paris pour avoir davantage de précisions sur la nature exacte de sa gêne. Et bien sûr, c'est une très mauvaise nouvelle hein, pour le Paris Saint-Germain parce que dans 10 jours, les gars, il y a le PSG qui se déplace du côté de Manchester City, un match très important de Ligue des Champions pour déterminer le premier du groupe. Donc selon Globo Esporte, le forfait de Neymar est finalement une précaution prise par la sélection brésilienne pour les échéances à venir du PSG. Une histoire de diplomatie entre les deux parties à une semaine du choc entre City et le Paris Saint-Germain. Et il est quand même blessé, hein, Neymar, les gars, il a un problème à la cuisse. Donc PSG-City, hein, c'est dans une semaine et côté vestiaire, parisiens ont des nombres quand même. Donc Neymar blessé, Verratti blessé, Draxler blessé, Navas blessé. Et concernant Paredes et Léo Messi, hein, donc Paredes blessé, Léo Messi n'est pas à 100%, mais c'est de là les gars. Donc Paredes et Léo Messi pourraient être titulaires pour la réception du Brésil dans la nuit, hein, d'après les infos en provenance d'Argentine. Et Lionel Scaloni, donc le sélectionneur de l'Argentine, il a confirmé hein, que Messi devrait commencer titulaire. Hein. Il est maintenant confirmé que Messi jouera ce soir, enfin cette nuit, hein, contre l'équipe brésilienne. Et toujours avec Messi, donc bien sûr, hein, c'est lui le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine. Hein. Messi, c'est 81 buts en 157 matchs avec l'Argentine. Hein. Il fait mieux que Batistuta, ou même Agüero, ou même Crespo en 4e position. Et toujours avec cette sélection de l'Argentine, elle est sur une magnifique série actuellement de 26 matchs sans défaite. Elle n'a plus perdu depuis le 3 juillet 2019, hein, cette sélection de l'Argentine. 17 victoires, 9 matchs nuls depuis ce jour, donc dans la nuit. Hein. Gros match contre la sélection brésilienne. Ensuite, on revient en Europe, cette fois-ci le programme du jour. Les derniers matchs hein, sur le continent européen, voilà, pour les nations. Donc par exemple, les Pays-Bas reçoivent la Norvège, un match très important bien sûr hein, pour les Pays-Bas. La Turquie ira du côté du Monténégro, Pays de Galles, Belgique et bien sûr Finlande contre l'équipe de France. On peut voir la une du journal L'Équipe aujourd'hui pour le plaisir hein, ce match, vu que l'équipe de France est déjà qualifiée pour cette future Coupe du Monde, assurée de leur participation à la future Coupe du Monde. Les Bleus affrontent cette équipe finlandaise en toute sérénité hein, bien sûr. Donc les séries c'est bien, les titres c'est mieux. Donc la folle série actuellement de l'équipe de France hein, en compétition officielle, c'est 26 matchs sans défaite hors tir au but hein, bien sûr, si on enlève cette séance de tir au but perdu contre l'équipe suisse. Dernière défaite c'était contre la Turquie, c'était en juin 2019 hein. Donc l'équipe de France actuellement c'est 26 matchs sans défaite, magnifique série. Donc le précédent record c'était entre 94-96. Donc l'équipe de France avait enchaîné 27 matchs sans défaite. Donc si les Bleus ce soir ne perdent pas du côté de la Finlande, ils seraient ex aequo avec l'ancien record. Donc bien sûr, ce serait une très belle série hein, pour les Bleus. Et dans le 11 qui affrontera la Finlande ce soir, Deschamps devrait titulariser Tchouaméni et un autre défenseur axial. Et regardez normalement la compo probable. Hein. Donc quelques changements bien sûr par rapport au dernier match. Donc déjà Hugo Lloris dans les cages. Donc toujours un 3-4-3 hein, pour Deschamps. J'ai l'impression maintenant c'est son dispo préféré. Donc Jules Koundé, Upamecano, Clément Lenglet devrait commencer titulaire d'après l'équipe. Donc Lucas Digne hein, devrait commencer piston gauche à la place de Théo Hernandez. Tchouaméni, N'Golo Kanté, Benjamin Pavard devraient remplacer Kingsley Coman pour ce match. Pas très important avec l'équipe de France bien sûr déjà qualifiée. Et devant les gars, Griezmann, côté gauche, Mbappé dans l'axe et Kingsley Coman normalement devrait commencer côté droit. Donc Benzema, normalement, j'ai bien dit normalement, devrait commencer sur le banc. Et concernant Kylian Mbappé, donc ce soir les gars, ça sera son 300e match en professionnel. Actuellement, il a 299 matchs en pro. Donc ses stats à Kylian Mbappé, 189 buts, 91 passes décisives en 299 matchs. Hein, des sacrés stats bien sûr pour l'attaquant parisien. Et ce soir, ça sera sa
53e sélection, donc à 22 ans et 328 jours, hein, déjà 53 sélections hein, pour Kylian Mbappé, et fait bien mieux par exemple que Thierry Henry. Sa 53e sélection, c'est à 26 ans, donc Mbappé hein, c'est 4 ans en moins. Zidane hein, c'était 27 ans, Platini 28 ans, Lilian Thuram 29 ans, Mbappé 53 sélections à seulement 22 ans, incroyable. Et toujours avec Mbappé, donc en 52 sélections, Mbappé a déjà inscrit 23 buts en équipe de France, c'est mieux que Lukaku, Messi et CR7. Seul Neymar avait fait mieux avec le Brésil à 23 buts en 37 sélections. C'est que Mbappé plus fort que les gens. Après 300 matchs en professionnel à Mbappé, déjà 189 buts. Alors que Ronaldo, c'était 98 buts. Bon, c'est déjà pas mal. Et Léo Messi, 179 buts. Toujours avec les Bleus, on va parler de Deschamps qui a indiqué qu'avec l'absence de Mike Maignan, le numéro 2 dans les cages françaises était Alphonse Areola. Benoît Costil est le numéro 3 actuellement de l'équipe de France. Et Upamecano répond aux critiques. Non, pour moi, j'étais complètement libéré hier hein, par rapport au match contre le Kazakhstan. C'est que il a souvent hésité un petit peu derrière, il n'était pas très serein lors de ce match. Hein. Pourtant, l'équipe de France a complètement dominé son sujet. Il dit, hein, cela s'est vu sur le terrain, je ne me suis pas compliqué la vie, je joue comme je joue au Bayern Munich hein, par rapport aux critiques hein, qu'a eu Upamecano après le match contre le Kazakhstan. Ensuite, une petite info concernant un autre joueur français, donc lui il n'est pas dans le groupe France, hein, c'est Anthony Martial, profite du bon temps à Dubaï avec sa famille. Hein. Donc bonnes vacances au joueur de Manchester United. Une déclaration de Luis Enrique, le sélectionneur de l'Espagne, hein, vraiment très content que l'Espagne hein, joue cette future Coupe du Monde. Il a dit, j'ai l'impression d'avoir enlevé un sac à dos de plus de 100 kilos, j'ai ressenti plus de pression que lors de l'Euro ou pendant la finale de la Ligue des Nations. J'ai enlevé un énorme poids de mes épaules, je suis très fier de mes joueurs. Hein, bien sûr, il avait énormément de pression du côté de l'Espagne hein, pour que l'Espagne se qualifie pour la future Coupe du Monde. Et pas que l'Espagne était derrière la Suède avant ses deux derniers matchs. Hein, la Suède a perdu ses deux derniers matchs, donc l'Espagne, elle, a gagné ses deux derniers matchs. Donc bien sûr, hein, l'Espagne directement qualifiée. On va parler du jeune Gavi avec sa famille après le match contre la Suède. Hein, bien sûr, le jeune Blaugrana, le jeune joueur du FC Barcelone avec toute sa famille. On va parler cette fois-ci de la Serbie et le président serbe Vučić a promis à l'équipe nationale serbe 1 million de bonus si elle battait le Portugal à Lisbonne dimanche et se qualifiait directement pour la Coupe du Monde. La chose faite vu que la Serbie s'est imposée 2-1 après avoir gagné. Ils ont fait un don de l'argent pour aider à soigner les enfants malades. Donc très beau geste bien sûr des joueurs serbes. NR7 est allé consoler CR7 avant-hier. Hein. Donc NR7, c'est tout simplement Radojnik, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille, grand fan de Cristiano Ronaldo. Il est parti, bien sûr, consoler CR7 après, on peut dire, cette non-qualification hein, pour cette future Coupe du Monde. Cette belle photo aussi hein, de deux grands joueurs, hein, Cristiano Ronaldo et Tadic, hein, vraiment un joueur sous-côté. Et toujours avec le Portugal, donc beaucoup critiqué actuellement le coach hein, Fernando Santos. Donc malgré la déroute face à la Serbie, Fernando Santos est bien décidé à rester sur le banc de la sélection portugaise. Donc il a dit, les gens demandent mon départ, c'est normal, c'est une question qui se pose souvent pour les entraîneurs. C'est normal que les supporters soient mécontents, mais je pense avoir les compétences pour mener l'équipe au Qatar. Donc on verra bien sûr hein, si le Portugal va se qualifier ou non pour cette future Coupe du Monde. On revient les gars. 9 ans, jour pour jour, en arrière, un match entre l'Angleterre et l'équipe de la Suède. Et Zlatan Ibrahimovic s'offrait un quadruplé contre l'Angleterre, couronné d'un ciseau légendaire de plus de 30 mètres. Hein. Un but à la Zlatan quoi. Donc c'était il y a 9 ans, jour pour jour, hein, ce but. Magnifique, hein, l'un des plus beaux buts de l'histoire du football. Ensuite, la fédération jordanienne a demandé à la Confédération asiatique de football de lancer une enquête pour vérifier le sexe d'une joueuse de l'équipe d'Iran suspectée d'être un homme. Donc voilà, cette personne, les gars, en Asie, donc elle est suspectée d'être un homme alors qu'elle joue avec l'équipe féminine d'Iran. Donc affaire à suivre. Des nouvelles de Nabil Fekir. Donc lors du dernier match de l'Europa League, il avait complètement pété un câble. Hein. Il avait étranglé un joueur du Bayer Leverkusen. Donc il écope. Il avait pris un rouge. Hein. Donc il écope de 3 matchs de suspension en Europa League suite à son carton rouge reçu face au Bayer Leverkusen. Ensuite, des nouvelles de Memphis Depay et dont la forme actuelle interroge en Espagne, pourrait voir son rôle de titulaire indiscutable remis en question. Ça que du côté du FC Barcelone, tout le temps titulaire. Hein. Bon, avant, sous l'ère Koeman. Et vu que maintenant ça a changé d'entraîneur, hein, Xavi, c'est que Memphis Depay, les gars, il n'a pas le même niveau qu'il avait du côté de Lyon. Il a beaucoup de mal, surtout en Liga. Et du coup, il pourrait être maintenant peut-être avoir le statut de remplaçant du côté du FC Barcelone. Attention, bien sûr, à Memphis Depay. Hein. Pourtant, il est très bon avec sa nation, bien sûr, les Pays-Bas. Parce que Depay devient depuis Bajevic, Yougoslavie, donc 1972, le premier joueur européen à atteindre la barre des 15 buts en sélection A sur une année civile. Donc, par exemple, il inscrit un doublé contre l'équipe du Monténégro il y a quelques jours. Donc, ce soir, match très important, bien sûr, pour Depay hein, contre l'équipe de la Norvège. Et toujours avec les Pays-Bas, on va parler du coach. Louis van Gaal est tombé en vélo lors d'une balade avec ses joueurs et a été installé sur un fauteuil roulant le temps de se soigner.
petite info hein, concernant le coach néerlandais. Bon rétablissement à lui. Piqué les gars sur eBay, donc c'est un streamer espagnol hein, sur Twitch. Donc il a dit, les gens croient ce qu'ils lisent dans la presse. C'est ainsi que les idées fausses sont créées. Les règles de Xavi sont une autre invention des médias. Donc il y a quelques jours, hein, je vous avais dit que du côté du FC Barcelone, il y avait des règles. Voilà, que Xavi avait fixé. Et d'après Piqué, les gars, c'est faux. Donc après, on ne sait pas bien sûr c'est vrai ou non. Hein, bien sûr, ce que Piqué peut mentir. Ensuite, les gars, on va parler d'un autre joueur sous-côté. Donc c'est Thomas Müller. Est-il le meilleur passeur au monde en 2018-2019 hein, il avait terminé meilleur passeur du championnat allemand. La même chose la saison dernière et actuellement, 2020-2021, meilleur passeur du championnat allemand. Donc il a déjà 8 passes D, le joueur du Bayern Munich. Ensuite, officiel, les USA prolongent avec l'équipementier américain Nike. Bon, après, voilà, c'est le même pays, hein, bien sûr, mais un long contrat jusqu'en 2033. Et jackpot, hein, bien sûr, pour la sélection américaine. Ensuite, une déclaration de Tammy Abraham. Il a dit que m'a appris José Mourinho au cours de mes 3 premiers mois à Rome, juste à être un monstre, vraiment. Donc, vraiment très content hein, que José Mourinho soit son coach hein, du côté de l'AS Roma. Il a complètement changé Tammy Abraham. Il a été buteur hier hein, contre l'équipe de Saint-Marin. Et Totti, les gars, sur Mourinho. Mourinho a gagné plus que tous les autres entraîneurs de Serie A réunis. Donc nous devons continuer à nous concentrer sur lui car c'est un motivateur. Et il sait comment gérer le groupe. Je parie sur lui. Et je pense que le club et les fans devraient le soutenir aussi hein, du côté de l'Italie. Ensuite, une petite info concernant Ousmane Dembélé. Donc il y a quelques jours, hein, j'avais dit qu'il est arrivé en retard du côté de l'entraînement du FC Barcelone. Et hier, les gars, Dembélé était le premier arrivé à l'entraînement du jour. Donc il a changé bien sûr de méthode. Hein. Dembélé maintenant c'est lui le premier à l'entraînement du côté de Barcelone. Bonne nouvelle hein, pour le Barça et bonne nouvelle aussi pour l'équipe de France. On va parler du jeune Jérémy Pino et c'est officiel. Hein. Il prolonge jusqu'en 2027 avec l'équipe de Villarreal. Bonne nouvelle bien sûr pour ce joueur. On va parler de Daniel Vess. Hein. Vous savez que depuis quelques jours, c'est un joueur du FC Barcelone qui sera présenté mercredi à 14h. Donc demain à 14h au Camp Nou, ça sera la présentation du nouveau numéro 8 hein, parce qu'il portera le numéro 8 du côté du FC Barcelone Dani Alves. La puissance de cette photo avec trois grands joueurs, un grand entraîneur aussi, un hein, Pep Guardiola bien sûr, Thierry Henry et aussi Franck Ribéry. Cette photo collector de Wesley Schneider à l'époque hein, du côté du Galatasaray en Turquie et ce duo légendaire lui avec Didier Drogba hein, du côté de ce club turc. Les légendes reconnaissent les légendes hein, Diego Maradona. Ça va faire un an jour pour jour, hein, dans quelques jours, qui nous a quitté, bien sûr, la légende argentine avec le maillot Zinedine Zidane et le maillot Ronaldo R9. Hein. Jimmy Butler avec le maillot de Paul Pogba. Donc lui, c'est un basketteur, hein, pour ceux qui suivent un petit peu la NBA, avec le maillot de l'équipe de France, hein, Paul Pogba. Et on finit, les gars, ce zap image aujourd'hui, bien sûr, avec le pronostic ce soir entre l'équipe de la Finlande et l'équipe de France. Donc c'est le dernier match hein, des Bleus. Pour cette année 2021. Donc mettez-moi un prono en commentaire. Donc moi je vais partir sur une victoire de l'équipe de France. Il faut terminer cette année 2021 avec une victoire. Donc je vais partir avec une victoire 2-1. Ça sera beaucoup plus compliqué ce soir contre la Finlande que contre le Kazakhstan il y a quelques jours. Donc je vais dire 2-1 ce soir pour les Bleus contre cette équipe finlandaise. Donc voilà les gars la fin de ce zap image 1642. Donc si ça vous a plu un petit like. On se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.